bien bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode sur Super Mario RPG. Rien de plus, rien de moins, il a plus de sous-titres, donc on va pas lui en donner. Je sais pas pourquoi ils ont choisi de l'enlever d'ailleurs, le sous-titre. Ça c'est étonnant. Mais voilà, c'est un choix de leur part. Bien, bien, bien. Alors, où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Alors, c'est Majek. Majek, c'est ici que tu te cachais? Ce château est la propriété de Forgeroy. Personne ne passe. Oh, il travaille plus pour Bowser, lui. Il a plus envie de rigoler. Bon, déjà, Majek, comme d'habitude, nous, on fait toujours le petit mentalisto. 1600 PV. Putain, il rigole zéro. Il rigole zéro. Bowser, il a une attaque de peur. Hein. Il fait trembler l'ennemi de peur. Mais qui presse. Non, mais on va faire ça. Le boost a dû lui faire peur. Ok. Ok. C'est un blocable, c'est un peu chiant. Est-ce qu'il fait un truc genre... genre ça? Ou genre la tempête de neige? Ou genre rien en fait, j'appelle lui. Et lui il fait son Genoflash. De toute façon ça attaque tous les ennemis dans tous les cas. Voilà. Par contre j'ai plus de magie. Ah mais 350. Ah oui bah. Ouais, comme ça, ça va être vite réglé. Ah, il a mis un Yoshi. Il y a un œuf de Yoshi. Hein. Ah, c'est une bobombe. Il se cache derrière la bobombe. Ah, je peux pas l'attaquer, du coup. Ah, merde. Ok. Ouais, celui de la bobombe. Mais elle a combien de points de vie? Immortel? Oh! On a pris cher. On a pris cher. Oh là là, heureusement qu'on a la princesse et qu'on a encore... Ouais, donc là, je vais vite prendre des trucs de fleurs, là. Parce que là, clairement, on n'a pas assez. Voilà, ça, c'est pas mal. Je suis en valeur histoire. Derrière, un dragoche. On va faire ça. Et lui, il va faire une tempête de neige. Ça la tue. Oh allez, ça n'attaque pas le l'autre de derrière. Ça, c'est embêtant. Ok. Donc là, Mario, sirop d'érable. Il me paraît indispensable. Très bien. Ça, c'est bon, ça a foiré. Donc ça, c'est bien. Ouais, je vais appeler lui pour ensuite appeler la princesse pour qu'elle réveille. Qu'elle le réveille, l'ami. Je l'ai raté. Allez, 200 PV. Ah, il refait encore un œuf, mais c'est chiant ça. Encore une bobombe. Alors là, il n'y a pas de doute, c'est Genoflash. Allez, on a envie que ça fonctionne. On a envie que ça fonctionne. 300 dégâts, c'est pas mal. Est-ce qu'elle le soigne? Elle pourrait hein, faire une petite thérapie. Je t'en prie. Technique, est-ce qu'il fait ultra saut?
Ah, j'ai complètement raté. Bah, c'est pas grave, on l'a eu. Le fameux mur de feu. Peut-être une chute d'étoiles ou... Allez, j'aurais pas dû appeler lui, j'aurais dû appeler Bowser. Oh, j'ai fait n'importe quoi. Bon, faisons juste une attaque basique. Ah bah il est mort. Parfait. Je pensais pas qu'il restait aussi peu de PV. C'est parfait. Oh, il nous a pas donné beaucoup d'XP. Oh, il est devenu bleu. Ah, il est redevenu Kamek. Majek. Hein, où suis-je? Oh, Bowser, quelle joie de vous retrouver. J'ai réussi à revenir jusqu'ici, mais quelqu'un m'a sans doute jeté un sort, car voyez-vous, je me souviens plus de rien. Est-ce que j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire? Oh, peu importe, c'est déjà du passé. Je suis bien content de te retrouver, plus fidèle et loyal que jamais. Tout le plaisir est pour moi, vous avez trouvé de solides nouveaux sbires à ce que je bois. Mais je crois que ma magie ne vous sera pas de trop. Regardez. Qui dit grotte, qui se dit chelou chelou. Oh, un coffre, cool. Ce coffre magique ne tombera jamais à court de pièces. Allez-y, frappez-le. Je vais rester ici. Si vous voulez faire le plein de PV ou de magie, vous savez où me trouver. Attendez, on a des pièces à l'infini? C'est une blague. On est à 958. Attendez, mais c'est triché, ça. Ça, c'est triché, ça. 983. Écoute, on va arrondir à 1000. 997. Ça devrait le faire. Il nous rend toute notre magie et toute notre vie. Ça, c'est parfait. Et là, on va où? J'ai pris la porte de gauche. Ok, j'ai l'impression que c'était bien. Ah, il nous vend des trucs. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter pour 1002? Des trucs qui revendent des points de fleurs, c'est pas mal. Je vais en acheter 3. Il me reste 910. Achetons des... ça, c'est bien. On équipe. Caleçon de prince. On équipe. Cap de star. On équipe. Carapace de méchant. On équipe. Et robe royale. On équipe. Et donc, du coup, je peux vendre, par exemple, tout ce que j'ai plus besoin. C'est-à-dire ça. Tous les trucs de feu. Nickel. Il nous reste 637. C'est parfait. Il avait rien d'autre à vendre, lui? Non, rien d'autre. Ok. Donc on repart. A plus et bonne chance. Ok. Très très bien. Alors rends-nous tout. Au cas où. Ça c'est tellement triché ça. Ça c'est tellement triché. Bon allez, on a ce qu'il faut de toute façon. Ah, faut que je saute. Ah oui, mais d'accord, ouais, ils m'ont bloqué. En pote de neige, les amis. Ça, ça fonctionne bien, ça, à chaque fois. Voilà, ça, c'est bien. Ok, on a tout eu. C'est parfait. Un niveau de prix pour le petit... Ah bah c'est Mario, je croyais qu'il n'y avait que Malo. Mario aussi a pris un niveau. Et tu m'étonnes, en défense magique, il a absolument rien. C'est pour ça qu'on fait pas énorme de dégâts magiques non plus. Ok. On booste la défense un peu parce que... Ah, je me suis fait mettre KO. Ah, je suis bloqué. Ah, quand j'ai sauté. Ok, admettons, prenons Bowser. Ah, ça a rien fait du tout, bah.
Bowser il fait rien du tout. Ah, j'ai pas le timing pour Geno encore. En même temps on l'a très peu utilisé. Je me suis fait écraser, j'ai l'impression. C'est pas qu'une impression. Je me suis fait écraser. Ok. On avance, on avance. Je crois qu'on arrive dans la salle de Bowser. Ah oui, c'était là où on s'était battu. Yes. Oh, c'est des boss. Oh, ils ont capturé des masques qui ont remplacé les chompes. Les chompes de lier. Voilà donc le fameux Mario. Oh, c'est un boss. On dirait un ninja. Ou un samouraï, je sais pas. Je connais pas les différences. Enfin, ninja, si, je vois à peu près. Samouraï aussi. Ouais, ninja, si, ça va. Je connais. Je ne pensais pas que tu arriverais jusqu'ici. Tu m'impressionnes. Ça va être compliqué. Oh, mais c'est que tu es plein d'entrain. Malheureusement pour toi, ta route s'arrête ici. Je ne te laisserai pas passer. En garde. Ah bah, en garde. Et nous, on n'a pas d'épée. Alors, c'est un boomer. Comme d'habitude, le petit mentalisto qui va bien. Il a aucune faiblesse. Ok, très bien. Et il a 2000 PV. Le temps des mots est révolu. Oh putain, la vache. Ça lui met pas beaucoup. Un Bowser non plus, mais pas beaucoup de dégâts. Est-ce qu'on peut essayer par exemple une attaque magique, genre chute d'étoile? ...219, ce qui est déjà un petit peu mieux. J'hésite avec l'ultra boule de feu. Je pense qu'on va prendre l'ultra boule de feu. Ok, c'est bien mieux. Coupa mobile à l'attaque. Ouais, ça me paraît pas mal. Attends, on va faire comme ça. Passons un petit peu. ...105, ah c'était pas ouf du tout même. Ah attendez, parce que là... Oh, il est devenu tout bleu. Alors est-ce que du coup il craint plus le froid, le... ...les boules de feu là maintenant. Ouais, guerre plus. Guerre plus, guerre plus. Appelons Geno. Après, de toute façon, on n'a plus de magie. Faudra qu'on fasse autrement. Ah, Geno, il met des bons dégâts. Ah, peut-être là il craint pas la magie en fait. Oh putain, il a pris tarif. Ah oui, petit problème. Petit problème. Du coup. On va peut-être faire comme ça en fait. Ça va, Mario il a rien pris. Ah, il a craint plus les attaques physiques. Ok. Donc ça va être le moment d'aller chercher Bowser. Ouais, Bowser. Parfait, ça. Tant qu'il reste comme ça, on est bon. Putain, mais il a pris cher, lui, encore une fois. Il va devenir rouge. Écoutez, tant pis. J'ai toujours pas mieux de... Ah oui, mais putain, j'ai fait de la merde. C'est pas simple, hein. C'est pas simple.
faut sans arrêt soigner. Alors, on va lui mettre un Genoflash. Hein. Est-ce que la Genolame c'est bien, j'en sais rien. Hein. 113, ouais, c'était pas si mal. Si tu m'énerves, boum. Pourquoi pas? Ah, la princesse, elle a fait des dégâts. Que? C'est impossible! Je ne peux pas perdre face à des gringalets comme ça. Je ne peux pas tomber alors que Forgeroy est si proche de la victoire. Je... Ah! Mon cœur me lâche! Garde ta pitié pour toi. Je suis un soldat, toujours prêt à partir. Pendelier, laissez-moi tomber. Adieu, jeunesse. Boomer, oh pauvre Boomer. Et pas d'inquiétude, ce n'est pas une petite chute comme ça qui va te faire mal. Bon, je vais vous conduire au sommet. Inutile d'attendre plus longtemps. Accrochez-vous, ça va secouer. Zou, c'est parti! Ok, pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous commencez à prendre le rythme. On va accélérer un peu. Et je vous avoue que je touche à rien là, hein, donc je sais pas s'il faut faire quelque chose ou pas. On va pas tarder à arriver au dernier étage. Attachez vos ceintures. Eh mais, il n'y a pas de ceinture. Et on se fait éjecter. Victoire. Et Geno a pris un niveau. Il arrive au niveau combien? 19, non? Comme les autres? Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et on va lui renforcer. Mais il a pris 6 d'attaque. Ouais, il a pas beaucoup de défense. Ouais, défense magique, on a un peu juste hein, quand même. Et Geno, il est violent. Hein. Oh, oh, voilà le boss. Voilà le boss. Allez, je fais un petit truc. Voilà, je suis là, je suis là. Alors, comme d'habitude... On envoie lui qui va nous faire son petit mentalisto. Ah, mais il y a plusieurs trucs. Il y a Exor, l'œil droit, l'œil gauche. En faisant Exor. Exor, il a 1800 PV. Bien. Donc là, ce qu'on va faire... Est-ce que ça, ça attaque tout le monde? On sait pas. On sait pas, on sait pas. L'arme ultime de Bowser. Est-ce qu'on le fait? Ouais, ça attaque tout le monde. Oh, mais il y a même la bouche. Pas mal, pas mal. Ça c'est imbloquable. Donc c'est chiant. Ok. Ok, on a réussi à bloquer. Ultra boule de feu qui tire sur tous les ennemis. Ok, c'est pas mal. Tempête de neige. Malou il a plus de PV, il vient de le voir. J'ai peut-être un peu déconné là. Ah, Exor a perdu sa protection. Ouais mais là il va mourir Malou. Et oui. Et oui, on n'a pas été bon. On n'a pas été bon. Ultra boule de feu. C'est pas mal. Petite tempête de neige.
C'est pas mal, les amis, c'est pas mal. Bon, reprenons un petit sirop d'érable. Comme le dernier était gratuit. Je pense que c'est pas mal. Encore gratuit, magnifique. La petite tempête de neige qui va bien. J'ai l'impression qu'on se balade. J'ai l'impression qu'on se balade. Et si on envoyait un petit peu lui. Allez, un petit Genoflash. Bah écoutez, on va encore faire des ultra boules de feu. Alors là, on va appeler Bowser. Il va faire son Mecha Press. Magnifique. Appelons la princesse. Il va soigner un petit peu tout le monde avec la récup générale. Nickel. Ah, ça c'est chiant, la cloche épouvantail. En plus, Mario, ce qui est chiant, c'est qu'on peut pas le changer, donc... Il peut faire des techniques. Ou alors, il peut pas utiliser d'objets. On a fait l'ultra saut. Oh, c'était nul. C'était nul. Ça va, on n'a pas pris trop trop fort. Ça va. Ultra boule de feu. Allez, sort magique, hein, c'est claqué quand même. Hein. C'est que ça éclate tout. Psychobombe. Je sais pas si ça attaque tout le monde, je pense que oui. Alors elle est plus soignée, hein, j'avoue. Et il y a combien de PV? On avait dit je sais plus combien. Ça va, elle va soigner tout le monde. Elle va soigner tout le monde. Empoisonne l'ennemi, ça pourrait être pas mal. Mais j'ai peur qu'il soit pas sensible. On continue avec ce qu'on sait faire. Nickel. Récup général, ça me paraît pas mal. En plus, elle enlève les... Ouais, c'est ça. Glaciation, c'était fort, glaciation. Oh, ça va, c'était pas non plus... La débandade. Il était gratis, donc on peut en réutiliser un autre. Appelons plutôt... plutôt Malou. Voilà. Bon, il doit plus avoir beaucoup de points de vie là. Pas possible. Ce n'est pas possible. Sort, il perd ses protections, mais il lui reste combien de... Plus que 2000. Oh. 139. Ah bah c'est bon. Tant que mes yeux restent ouverts, je suis invincible. Ouais, donc en gros, d'attaquer tout le monde comme on fait, c'est pas si mal. Et ultra boule de feu, normalement, ça le fait. Normalement, là, avec ça, on l'a eu. Hein. Ok. On s'est fait avaler. On s'est fait avaler. Mais on a eu le boss. Mais on part dans une autre dimension. Ce n'est pas fini.
et on arrive au monde des armes. Oh, cet endroit. Visiblement, votre monde est relié au monde des armes par l'entremise d'Exor. En d'autres termes, ce chemin devrait nous conduire jusqu'à Forge Roi. Qu'est-ce qu'on attend? Allez, en route. Une seconde. Moi, ce que je vous laisse, c'est récupérer mon château. La cueillette aux étoiles, c'est bien joli, mais j'ai pas de temps à perdre avec ça. Moi et Miss Beer, on va remettre le château en état. Hey Mario, c'est toi qui as voulu rejoindre les sbires de Bowser. Y a pas de raison que tu te défiles quand y a du boulot. Bowser, je crois que tu n'as pas bien compris. De quoi? Tu traites le grand Bowser d'idiot? Tu veux que ça barde pour toi? Réfléchis, Bowser. Si Exor joue le rôle de passerelle vers le monde des armes, même si nous sommes parvenus à le vaincre, d'autres monstres viendront par le même endroit. Si l'ennemi utilise ton château comme point de passage, il faut t'attendre à y voir débarquer une nuée d'armes mal intentionnées. Est-ce vraiment cela que tu veux? Il y aurait de plus en plus d'armes qui convoiteraient mon château, mais... Mais c'est mon château à la fin! Non? Ça me plaît pas cette histoire, ça pue même carrément l'embrouille. Mais que vont dire les gens si je fais équipe avec cette bande de nigauds? J'ai une réputation à conserver, moi. Ah, je sais. Personne n'insulte impunément le grand Bowser et ses sbires. J'ai montré à ce forge truc qui est le vrai méchant de cette histoire. Bien, Mario, on va lui apprendre le respect à ce guignol. Oh, quel génie je fais. J'ai complètement retourné la situation. Excellent, excellent Bowser. Bon, on dirait qu'on est tous d'accord. Alors, en route. Écoutez, on est parti. C'est pas une bonne idée. J'ai fait un petit peu nawak. Attends. Ah ouais, je sens que je vais galérer. Ouais, ça passe. Et voilà. Est-ce qu'on s'arrête là? Et qu'on finit la prochaine fois. C'est possible. C'est possible, j'ai envie de dire. Parce que je sens qu'il y a encore pas mal de petites choses à faire. Enfin, même je sais qu'il y a encore des petites choses à faire. Donc on verra. Mais ouais, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Écoutez, ça m'a fait extrêmement plaisir de continuer cette aventure. Et j'ai hâte de continuer au prochain épisode. On se revoit très vite pour la suite. D'ici là, soyez sages, prenez soin de vous. Et à bientôt. Ciao, ciao.